2, 1, top. C'est parti. Voilà, donc un premier tour. Allez, top départ pour ce Tour de Bretagne, ou plutôt ses départs avec un S. En effet, les foulées de Landerneau proposaient ce dimanche deux circuits, 15 et 7 km. Au terme d'un parcours noyé dans la brume, c'est Roland Coigne qui s'impose devant Laurent Collin chez les hommes. Chez les femmes, Christine Musset, elle, réalise les 15 km en 1h02. Les athlètes se retrouveront le 5 mars pour la suite de ce challenge de l'Elorn. Et puis, un dauphin a décidé d'animer le port du Rosmeur à Douarnenez ce dimanche. S'agit-il d'Andy ou de Jean Floch, les célèbres dauphins friands de contact avec le public? Difficile à dire et difficile à suivre pour la caméra de notre confrère du Télégramme. Le dauphin est plutôt espiègle lorsqu'il s'agit d'apparaître sur le petit écran.